Yes, I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. Your suffering will be legendary, even in hell. Ah, normalement, là, on a dû l'entendre. Salut Nick Taras. Salut Nick Taras, salut à tous. Alors finalement, on reprend, faute d'avoir trouvé un successeur à Little Nightmares, pas faute d'avoir réfléchi cet après-midi. Mais bon, je me suis dit quand même, j'aime bien commencer les choses et j'aime surtout les finir. Donc, même si on est en plus petit nombre, eh bien écoutez, on va se faire Oh là, mon panneau, il merde à fond, c'est pas grave. On va se finir ce Amnesia, parce qu'il, somme toute, il est très très bien. Et c'est un excellent jeu. Hein. Donc, le chien et moi, on s'est concerté, on peut le dire. Donc, on s'est dit, allez, à l'unanimité, on s'est dit qu'on allait se faire on allait finir le Amnesia. Je pourrais peut-être même faire en direct un petit décalage de la webcam. Allez hop, hop. J'ai l'impression que... Non, mais à la limite, c'est plutôt le pentacle qui est un tout petit peu trop. Regardez, allez en direct là. Hop. On le réajuste. Et voilà, c'est bon là, c'est parfait. Peut-être le chien tout petit peu plus. Voilà, regardez, tout ça en direct. C'est parfait. Ben, on retourne au jeu. Voilà. Au lieu de réfléchir à des jeux, demande ce que pense ta communauté. Moi, je pensais à une soirée discussion. Ah, une discussion, mais une soirée discussion. À chaque fois que je fais une soirée discussion, tu sais bien que je perds tous mes viewers. La dernière fois qu'on a commenté le... Ne t'inquiète pas, je sais où aller. La dernière fois qu'on a commenté la soirée là, des remises des Pégases d'or, j'ai perdu 5 followers, donc... On va arrêter. Hein. Quelques thèmes, une interaction avec le chat, pourquoi pas un fond musical de qualité. Ouais, oui. Non, ça ne fonctionne absolument pas, malheureusement. Alors je vois que c'est très sombre, hein, le retour. Le fait de revenir sur Amnesia m'a fait rechanger mes paramètres. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver la luminosité comme moi je l'ai chez moi. Je ne sais pas pourquoi ce jeu... Oui, on avait bien ri, mais malheureusement, il y avait que nous qui avons bien ri. Donc, je me recentre sur le gameplay, voilà. Donc, je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir pour revenir... non, vous mentir, on est quelques-uns, regardez. Comme on a fini Little Nightmares, hein, voilà, pour être tout à fait honnête. Comme on a fini Little Nightmares hier, je me souvenais plus exactement où nous en étions dans Amnesia. Donc je suis retourné un petit peu voir la Solus, mais bon, vraiment juste pour savoir là, je sais qu'il fallait qu'on trouve un vaccin qui nous permettrait de passer. J'ai juste vu qu'il fallait qu'on retourne ici et qu'on jette un petit caillou quelque part, non pas pour faire tomber la plateforme, mais pour nous, pour faire tomber l'autre plateforme. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Normalement, quand on est ici, on doit pouvoir accéder
non, attendez. J'ai compris ce que le jeu m'avait dit. Enfin, dans la solution, il me disait qu'il fallait. J'aime pas regarder les solutions, mais là, ça faisait. Attendez, ça faisait une semaine qu'on n'était pas revenu. Donc, je savais plus du tout ce qu'on avait fait. L'idée, c'est de ressortir d'ici. Et de lancer un petit caillou. On s'en fout des autres. Léa ne passera pas aujourd'hui, elle te souhaite le bonsoir. Ah bah voilà, bah, bravo. Alors s'il y a déjà, il y en a déjà qui démissionnent. On va pas y arriver. On va pas y arriver, si déjà il y a démission. Alors ça me fait bien plaisir parce que imaginons, elle m'avait demandé Léa de streamer Silent Hill 4. Imagine, on commence Silent Hill 4 et puis non. Madame ne vient pas, madame a autre chose à faire. Ah mais exactement ce que je voulais pas faire. On s'est déjà blessé. Non, de ce que j'ai compris, je vais vous dire ce que la soluce m'a dit. La soluce m'a dit. Attendez, hein, déjà on va faire ça. Non, je veux pas. Retour au jeu. La soluce m'a dit que elle avait le choix entre un stream et une bouteille. Ah bah ouais, bah, je comprends. Le choix dans ces cas-là est vite fait. Non, la solution me dit de retourner dans le réservoir. On y est là. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on débloque ça. Voilà, là, je suis en train de le faire avec ma main, mais c'est ça. Voilà, là, ici, là. Faut qu'on débloque cette passerelle. Cette passerelle-là va nous. Et Eve est occupée à regarder une série de haute qualité, mais elle te souhaite le bonsoir aussi. Ah bah d'accord. On voit bien les priorités. Alors, si un jour je disparais pendant un mois, vous demandez pas pourquoi. Hein. Non, on peut ? Oui, mais ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est débloquer ça. Et bien, regardez-moi ça. Elle monte. Et si on reste dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Si tu disparais, genre, si tu meurs, au pire, il y a d'autres stretchers. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris l'idée globale du chat. Mais merde, je suis con, si j'y vais et que j'actionne pas la manivelle, on n'a pas le temps de faire ça. Non, je l'ai pas fait, là. Oh, c'est un stream qui commence bien. Et déjà, j'ai eu quelques suées, je vais pas vous mentir, parce que le jeu ne voulait pas se lancer. Normalement, ça monte, là. Ça ne veut point. Oh, je suis pas fou. Ah, et ben ça commence. C'est du propre. Les deux manuels sont pour les deux plateformes. Ah, il y a deux manivelles, putain, mais merci Nictaras. Oh là 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 là, merci Nictaras, on aurait perdu une heure. J'avais pas vu. Oh, elle est bloquée. Ah voilà, c'est là où il faut que je lance un petit caillou. C'est pour ça que je comprenais pas. Il faut qu'on trouve un petit caillou pour lancer sur la chaînette. Il y a bien des petits cailloux par terre là-bas. Allez hop. C'est ça que je comprenais pas. Bon bah au moins le 20 minutes de gagner, ouais. Alors là au moins un minimum. Regardez, il y a déjà du petit caillou là. Hop. Viens là mon beau. Pour jeter, c'est comment? Ok, c'était pour voir la physique. On peut peut-être le prendre avec nous, ceci dit. Non, il veut pas. Ouais, tout est... Tout est sous contrôle. Il m'a l'air un peu lourd celui-là, non? Non, c'est bon. Ah voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Ça fait plaisir. Je commence à peine, vous voyez. Et voilà. Et maintenant, nous allons à la morgue. Non, c'est un jeu quand même. Je sais que Nictaras, tu l'apprécies, moi aussi.
Donc ça va être sympathique de le continuer. Bon, de temps en temps, il y aura quelques merdouilles au niveau du fenêtrage. Mais ça, je n'y peux rien. C'est un vieux jeu. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça fonctionne pas. Mon grand regret c'est qu'il ne fonctionne pas en plein écran. Oula, oula, oula. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Oula, donc on a la morgue. Très sympathique. Ah, ok. What? What happened? Why are all these dead? Where am I? Je vais ramasser ça après. Help! Anybody! Sergio, le stagiaire, a filé un coup de main à la morgue, apparemment, ouais. Il y a dû faire un petit stage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 3 jours maintenant, c'est ridicule. Bon, a priori, il y en a un qui, il y en a quelques-uns qui sont restés un petit peu enfermés, hein. Hein? Ça a gratté là. Ça a gratté, ça a gratté. Il y a du cancre là, il y a de la limace. Bon, on va prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Ramasser tube de cuivre. Ok, là je vois qu'il y a du Mamadou. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Hop, on en a ramassé. Ça sera pas trop parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Et je vois que vous, chez vous, le retour est toujours aussi sombre. Hein. C'est curieux, hein, cette histoire. C'est curieux. J'ai pourtant changé le gamma. Mais le gamma ne s'effectue que si on redémarre le jeu. Ah, regardez, il y a autre chose ici. Vous avez vu? Comment on pourrait monter? Comme ça? Et là, en sautant? Ah, il nous faut quelque chose, là. Moi, j'aimerais bien ramasser ça. En plus, c'est pour notre... Sur quoi on pourrait monter? Je vais mettre le portable ici, comme ça, ça va me permettre de voir tes messages plus rapidement. Vous auriez dû faire ça sur les Elder Scrolls. Quoi donc? Excuse-moi, je suis plus. Oh, on peut pas le prendre ici. T'es sûr? Ouais, oh, ah voilà. Ah mon dieu, il est long. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire sur les Elder Scrolls, mon bon Nyctaras? Ah non, c'est une boisson pour se remettre de la vie, on n'a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on a nous en notre possession? On a un réception en verre, on a un tube de cuivre qu'on vient de ramasser. Un tube de cuivre fin, hein, c'est important. Fin. Et on a un marteau toujours. Les réminiscences audio lorsque tu entres dans une pièce, Elder Scrolls laisse juste des bouquins, des lettres, oui. C'est vrai que ça aurait pu être un petit élément en plus. Et on a toujours notre rabiole qui est en fait... je me souviens plus. Une tarière. Là, il y a une chaîne, mais on peut pas tirer dessus. Bon, je vous rassure, chez moi, c'est aussi sombre. Hein. Allez, c'est bon. Tout de suite, on va aller allumer une petite bougie. Bon, lui, il s'est passé quelque chose. Hein. Il s'est passé quelque chose. Breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? D'accord. C'est une. En fait, l'intérieur, c'est une sorte de chignol, mais pour les travaux de jardin. D'accord. Eh ben, on apprend des choses. Bon, vous voyez, hein, c'est ce que je te disais, les deux compères se sont amusés un petit peu à... Le corps est toujours raide à cause de la rigidité cadavérique, il ne peut pas dater de plus d'un jour. Mais ils se sont amusés un petit peu à faire les réanimateurs, hein, voilà, en deux mots. Hein. On voit son zizi.
Bon bah les âmes sensibles hein. Hein, on voit son zizi. Bravo. Le travail sur du vivant, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'as-tu dans ton panier, petite sale? Et du... Il a noté des indications, hein. Ouais, bon, ça, on passe. On a arrêté de suivre l'histoire. Hein. Nous, on fait comme si on trouvait pas de lettres. Comme dans la réalité, en fait. Hein, quand on se balade dans la réalité, on trouve pas des lettres qui nous expliquent la vie. Hein, c'est à nous de comprendre. Alors, par contre, ça nous intéresse, peut-être, le vaccin. Le vaccin permettant à mes hommes de travailler dans les égouts infestés de champignons est un succès. Parce que après, quand on va ressortir, il faut qu'on aille... On peut pas passer. On peut pas passer, il y a du poison. Malheureusement, seulement quelques-uns des domestiques ont été guéris dans la mesure où le procédé s'est révélé difficile à réaliser. Les autres périront et je devrais par la suite en créer d'autres pour pouvoir continuer mes expériences. Oui, mais il est où ton vaccin? Remarquez qu'une injection de sang vacciné fonctionnera assez longtemps comme bouclier pour passer les égouts. Voilà, on doit aller aux égouts. Sans risque d'infection. Est-ce que tu m'as marqué? C'est... Des vampires avec du kung-fu avec une ambiance magnifique. Je comprends pas. C'est ça mon problème, c'est que dès que je c'est plus dans le moment où je suis en train de parler, j'arrive plus à comprendre. Tu me parles de quoi? Des vampires avec du kung-fu avec une ambiance magnifique. Ah pardon, tiens, la régie de Ketavirik, ça me rappelle ce film, Rigor Mortis. Non, je connais pas du tout. Pas du tout. Non, je suis en train de réfléchir, mais non, je connais pas du tout. Ça me met par contre des vampires avec du kung-fu avec une ambiance magnifique. Ça me parle, je veux voir ça. Sans risque d'infection, ce serait parfait pour les transporter les prisonniers. Ok. Oui, enfin, il parle du vaccin, mais il me dit pas où il est. Non, mais je vais me renseigner pour ce petit film. Il m'a l'air. Ah, bah voilà, de temps en temps, il y a quelque chose dans les tiroirs. On a trouvé du Mamadou. Et puis du Laudanum. Du Laudanum. Oh, puis quoi donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai le même t-shirt qu'hier, et alors? J'ai pas eu le temps de me changer. J'ai peur pour Daniel, il est impudent. Il est corrompu par l'ombre qui se rapproche et ne pourra pas passer la pote. Qu'est-ce qu'au final, il pourra l'accepter? Mon amour, j'ai vu le mal en lui. Comment est-ce que je peux lui faire confiance en lui, révélant la vérité? Quelle ironie cruelle de lui faire subir à son tour ce qu'Agrippa me fait subir. C'est vrai. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Il n'y a plus sur échappe. Ah oui, alors, ces petites boîtes-là, à chaque fois qu'on clique dessus, bon, bah, ça nous remet le message en blanc. On n'a pas besoin. Oh, mais c'est pas fini! Ils ont bien travaillé, regardez-moi ça. Ça a travaillé longtemps, puis sur plusieurs spécimens. Rigor mortis, je note. Hein. En plus, je m'en souviens, j'ai un canon pareil. Bon, là. Hein. Prise de sang. Comment on pourrait faire? Et moi, il a peur. Je sais que t'as peur. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Faut allumer ça. Moi, je vais allumer ça. Mais c'est déjà allumé. Je vais regarder mon petit memento. Un cadavre dans la morgue n'a seulement qu'un jour. Ouais, donc je peux lui prendre de son sang et il y aurait du vaccin. Alors tu me dis que c'est un film thaïlandais. Je t'ai envoyé sur Insta. Bah, c'est très gentil. Suivez-les tous. Ok. Ok, ok. Je savais pas que c'est... Je connais pas du tout. Le tube de cuivre fin trouvé dans la morgue ressemble à une pièce d'un outil chirurgical. Ah ah, voilà. Trouver un vaccin voilà. Donc on va aller voir le premier cadavre et on va y aller avec le tuyau. Mais alors à quoi sert cette pièce là? Alors moi, c'est pas personnel hein, ce qui va se passer. Mais on va être obligé de faire quelque chose. Ça ne peut pas pénétrer le crâne. Ah, il faut être dans le crâne. Et il me dit tout. Ça ne peut pas pénétrer le crâne. Bon, là. Ces outils-là, on peut pas les prendre. Un truc que je ferais bien. La chignole dans le crâne, évidemment. Évidemment, la chignole. C'est un jeu d'horreur. Et voilà, mais bravo, Nictaras.
Évidemment, la perce s'est cassée, elle n'est plus utile. Bah, c'est bien qu'elle soit cassée au moment où elle était plus utile. Regardez, on va mettre ça dedans. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, là, il faut qu'on. Faut d'abord qu'on mette ça. Allez, on va vous aider, monsieur. Le tube est fin, mais pas assez pour pénétrer ma peau. À classe à tienne, on va le boire. Ah, on peut pas se servir de. Bravo pour le coup de la chignole. Je pensais pas qu'ils auraient eu cette idée. Mais maintenant, ça me paraît évident. Comment on pourrait faire? Moi, j'étais d'avis. Regardez, on a une fiole en verre. Un récipient en verre vide. J'étais d'avis de mettre ça. Alors, peut-être que c'est ici, vu que ça coule là. Oh. Non, il veut pas. Mais il avait drôlement beaucoup de sang, hein. Ta petite aiguille dans ton inventaire, oui. C'est fait. Ma petite aiguille dans mon inventaire? Aiguille creuse? Bien. Ah. Ah, oh là 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 là. Oh, mais ça sert à quoi? Ah, maintenant je peux me piquer. Ah, d'accord. Merci. Oh, mon bon Nictaras. Qu'est-ce que. On en sera encore à chercher à où aller là. C'est bon, je suis vacciné. Oup, 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 oup. Point trop d'infos. On se cache. Oh là là là, qu'est-ce que ça va être encore? Bon, vous êtes prêts? On va tracer. Ton deuxième item en partant de la gauche, ça peut pas servir de ce seringue. Merci. Déplacez-vous rapidement. Oui, bah merci. Merci bien. Merci bien, on avait compris. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Attendez. Hop. Vous voyez plus rien, mais c'est pas grave. Attendez. Bon, j'ai pas réussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il a, il m'a pris tout en compte là? J'ai tout? Ouais, c'est bon. Je suis vacciné là. Alors faut qu'on se déplace rapidement. Hein. On est où? Ah, il m'a save ici. Non, mais c'est vrai qu'on voit rien. Ah, mais ça va! J'ai même pas besoin d'esquiver. C'est bon. C'est une affaire qui roule. Pas de mari jouer avec lui. Pourtant, il semblait assez handicapé. Bah oui, mais bon. Bon, là, on va sauter, hein. Et on va courir, plutôt. On va courir, on va sauter. Ça fait un petit bout de temps que j'ai joué, alors il faut que je me remette au... comment on pourrait dire? Au gameplay. Non, pas au gameplay, aux touches, quoi. Faut que je me réhabitue à la maniabilité, voilà. Alors là, vous voyez rien, moi non plus, hein. Ah, j'ai plus de... Attendez, on va se remettre un coup de... Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Alors, faut deviner un petit peu. Là, je suis en train de descendre les escaliers. Voilà, et on arrive aux égouts. Puis on doit plus être... On doit pas être très très loin de la fin. Donc, bon... Ça donne envie de le finir. Ok. Mais c'est vrai que c'est très très sombre. Hein. Bon. Bon, on est vacciné, on peut y aller. Hein. C'est curieux, vous avez vu, on est mort, mais le jeu nous a mis une sauvegarde un peu plus loin, mais en même temps, il a quand même sauvegardé le fait que le monstre était là, donc du coup, c'était facile. Donc là, pour l'instant, pour nous, tout est nouveau, là. Ah oui, d'accord. Vous l'avez vu, lui? Faut pas les regarder, en fait. Oh, j'espère que c'est pas trop labyrinthique. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc à ramasser ici. Non. Bon, c'est relativement éclairé, donc... Là, c'est fermé, on va aller là. Là, il y a une échelle. Là, il y a des boulis.
Quoi? Ok. Ah, il y a le petit morceau d'échelle qui est là. Bon, évidemment, notre salut se trouve en haut de cette échelle, hein. Vous l'avez compris. On va essayer de trouver les petits bouts manquants. Non, j'ai pas trouvé de jeu. En même temps, moi, j'aime bien les énigmes. Alors, bah là, j'aime bien les énigmes. Et bah, mon Dieu, on va se faire plaisir. H. I. Oui, il y a des engrenages aussi, hein. Une espèce de truc mécanique, hein. Le baril contient une recharge complète d'huile. Ah bah merci. On est complètement rechargé en huile. Bon, ça fait plaisir. Là on a 1 et 2. Ce n'est pas un H mais 2 en chiffre romain. Oui, pardon. Ah, t'essayes de m'humilier hein, en direct. Celui-là on va le mettre sur le gros. C'est des probabilités, hein. Ne me demandez pas comment je fais. Et celui-là, on va le mettre sur le petit. Ah, ça tourne, hein. Bon, allez, on se casse et on va revenir parce que on va avoir une indication de quoi faire. Il faut qu'on retourne là où il y avait le méchant. On va aller dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, il va nous dire comment faire. Mais je suis trop con, je suis revenu sur mes pas. Je vous assure que c'est pas simple. Tout se ressemble, les murs sont exactement les mêmes. Et je rejoue à nouveau sur ma très grande télé. Et du coup... Du coup, je me perds. Voilà, tout simplement. Allez, c'est par là. À l'évidence, c'est par ici. Ah, il m'a fait peur, lui. Bon, là, hein, si on passe, c'est l'abattoir. Là, si on passe, c'est l'abattoir. Un petit peu de loot d'Anum. Non, de l'Amadou, pardon. Là, il y a du tuyau cassé. Le tuyau semble être desserré. Alors, moi, je vais te le remettre droit, moi. Voilà. On a ramassé un tuyau. Ah, très bien. Je vais regarder ce que c'est le tuyau. Oula. Quoi. Je vais regarder dans mon inventaire ce que ça nous a donné. Un petit tuyau. Alors n'hésite pas, Nictaras, à bien regarder. Hein. T'as des petites idées parce que t'as des bonnes idées, hein, j'ai remarqué. C'est pas qu'elles sont bonnes, mais une sur 10 s'avère juste. Ça me suffit. Ça me suffit pour poursuivre. Je regarde un petit peu partout du coup, hein, parce que regarde, il aurait pu très bien se cacher quelque chose ici. Ça m'intrigue ça. Hein. Là, je suis en train de me demander à quoi correspondaient les deux chiffres. Je pensais au moulin, mais j'en avais vu qu'un seul, bah oui. Pour l'instant, bon, là c'est d'où on vient, je sais très bien, mais je regarde quand même. Je regarde vite fait.
Les deux chiffres. Ouais, moi aussi. Je me questionne. Je regarde quand même s'il n'y a pas une petite. Ah. Essaie de mettre le 1 au minimum et regarde si le moulin baisse d'intensité, oui. Je comptais. Je vais faire ça. Je comptais bouiner un petit peu le. Bon, là, il y a la lumière du jour. Là, on peut rien faire. Je comptais bouiner un peu, hein. Parce que parfois, il nous donne. Ça m'est arrivé dans la salle des machines. Je sais pas si t'étais déjà en ligne, je me souviens plus. Ou en bouinant un tout petit peu, bah, il m'avait donné la solution alors que j'avais même pas l'intitulé. J'aurais dû mettre le réticule. Hein. Attendez, il y a un truc que je veux faire depuis longtemps. Je vais aller dans les options. Vous voyez, la luminosité est au maximum. Je suis à 2. Mais il ne la prend pas en compte, en fait. Ça change rien. Par contre, si je joue sur l'autre PC, c'est plus clair. Non, ce que je voulais mettre, c'est qu'on voit le réticule. Voilà. Ah, voilà. Comme ça, vous le voyez peut-être pas. Si très légèrement, vous le voyez. Avec le réticule, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on l'a mis sur le minimum. Hein. Et tu sais quoi, j'ai envie de... Bon, je vais le remettre comme ça, mais j'ai envie de chercher un truc. Là, c'est encore plus lent, là. Là, il fait encore moins de bruit, là. Moi, je suis au casque, là, je l'entends très bien. Il est beaucoup plus faible. Ah, c'était peut-être ça parce que là maintenant il y a du monstre. Allez hop, tu nous en voudras pas. Ça nous intéresse pas du tout ta compagnie. On n'est pas du tout intéressé par ta compagnie. Je pense qu'il est encore là. Ah, je le vois moi, il est en train de se barrer. Faut pas le regarder, hein, faut pas le regarder. Je pense qu'on a... Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai bien fait. Merde, c'est pas par là. Oh merde. Ah ouais, mais c'est pas évident de pas le regarder. Ah, et là le... Non, je raconte de la merde. Ça a toujours été défoncé. Je regarde quand même. C'est curieux, cette histoire de 1 et de 2. Il est moins rapide, hein. Mais il nous fait toujours aussi mal. Ah, et oh, on peut peut-être le... Bon, bah, quand je touche, il me fait du mal. On va mettre le petit tube. Voilà. Fallait le ralentir et le bloquer. Bon, alors, ça va. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, hein, leur histoire de mettre le petit tube. Voilà, mets le tuyau dans le moulin, voilà, tu vois. On a eu la même idée. Bon, on a réussi. Si c'est ça la morgue, bon. Ça a été. Non, mais c'est pas terminé. Bon, là, il y a du mucus, évidemment. Oula. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Mais on peut rien faire. Bonjour. Il m'a dit turn around, you're machin with me, le shadow. J'ai amené le shadow avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut me dire qu'il faut que je le ramène ici? Le shadow? Le shadow, c'est l'ombre. Qu'est-ce qu'il me dit dans mes notes? Je vais regarder vite fait. Il me dit quoi? Aucun... Ah bah là, ici, on a rien à faire. Enfin, on a rien à faire. On ne sait que faire. Ce qu'il y a, c'est que... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh mon dieu. Il faut qu'on emmène le méchant avec nous. Oh bah oh. Il nous tue en un coup. Balance un bout de corps dans un tas de cailloux. Oui. En revoyant la VOD, j'ai vu que t'avais raison. Il suit effectivement... à l'instar... Enfin, comme tu avais, t'avais raison sur le fait qu'il fallait éclairer les ennemis pour les figer dans Little Nightmare, t'avais aussi raison dans le fait dans Amnesia qu'il fallait et ben jeter des morceaux de cailloux ou quoi dans la flotte pour leur faire changer de route. Je vais voir si ça fonctionne déjà ça. Il y en a plein de morceaux hein, c'est bon. C'est pas ce qui manque. Ah bah non. Bah il va venir là. Là il va venir normalement. Je le regarde pas. Est-ce que ça va faire quelque chose? Oui. Ça a l'air de pas plaire à... Ok. Il y a une petite vibration. Pas bien compris là. Pas bien compris. Là c'est pas où on vient. Ah mais il... Putain. Il va nous emmerder à chaque fois là. Il va repopper. Ouais le revoilà. Allez. Sois commode. En fait il a cassé les... Il a cassé ça, donc maintenant on peut y aller. Oui, très bien. Il me fait pas peur, hein. J'ai pas peur. Merde, c'est bloqué. Alors, cette idée du 1 et du 2, là, j'ai toujours pas compris, hein. C'était au petit bonheur la chance, ils se disent qu'on va trouver comme ça. Je dis vraiment, je le fais au pif. Hein. Ah, je suis... là, j'y étais au forcing. Hein. Merde, il veut pas que j'ouvre. Enfoiré, enfoiré. Oui, oui, l'ombre, c'est le nom de la créature. Créer une. Je crois que c'était marqué créer une discussion. Créer une distraction. On sait jamais où ils vont nous remettre. Ah bah ça, ils sont sympas. Ils m'ont remis après... Ah non, pas du tout, ils sont pas sympas. Allez, prends. Bon, la distraction... Je jette un caillou, mais je fais tout autant de bruit à côté. Ah mais on peut pas passer par là. Je sais même pas où je suis. C'est le problème d'Amnesia maintenant. Bon, il est sorti il y a 10 ans. C'est que vraiment tout se ressemble. Ah, c'est bon, c'est bon. Hé hey. Oh ben non. Courez. Ah, mais enculé. Oui, bien sûr. Courez. Enculé. Courez. Attendez, je fais quelque chose. Je peux pas. Il veut pas. Je jouerai. Bon, c'est pas grave. Comment je pourrais faire? Voilà, je suis mieux là. Là, je suis mieux. Je suis un petit peu plus loin de l'écran, mais je suis mieux. Courez. Ouais. Éteignez l'ordinateur. Courez. Ah, mais tiens, oui, bien sûr, enculé. Non, mais c'est vrai. Il m'a déjà donné de meilleurs indices. Hein. Courait. Du coup, là, je suis pas en train de repartir dans le... Ah, bah si. Ah, il a dit de faire une distraction. Mais j'ai rien au sol pour distraire. Ah bah... Pff. Vous voyez, on meurt. On meurt et c'est agaçant. On meurt. Mais c'est agaçant. Mais après... alors, d'un coup, il est très strict, le jeu. Puis d'après, il est complètement laxiste.
Oui, là j'ai une sauvegarde. Bon bah voilà, t'es mort. Bon bah, tu peux y aller. Le jeu est très punitif et puis après il est sympathique. C'est curieux. Pourquoi cette save? Et il n'y a même plus le monstre. Moi j'aurais, à la limite, quitte à concevoir le jeu, bon bah tu laisses le joueur accéder à l'échelle plus facilement. On est entre les deux mondes. Mais là non, il me tue vraiment d'une façon punitive. Et juste après, bon bah t'y arrives pas. T'y arrives pas, on te laisse passer. Donc on est obligé de mourir une fois, quoi. C'est ce que je comprends. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc on est monté en haut du puits, là on est sorti de la morgue. Là il y a du Mamadou. Allez, viens là, petit Mamadou. C'est bien que je te collectionne. J'ai rien compris à cette séquence. Quels étaient les 1 et 2? Bah oui, moi non plus. Pourquoi il fallait tirer l'ombre sur un tas de cailloux? Aucune idée. Aucune idée. Faut que le jeu fasse attention. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que ce sont des motifs de licenciement, ces erreurs. Et qu'après on va jouer à autre chose. Non, le jeu est très bien, mais bon, il date de 2010. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, je vais peut-être pas ouvrir toutes les portes. Parce qu'après on va plus savoir par où on est arrivé, par ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Moi ce que je propose c'est qu'on fasse celle qui est entre-ouverte. Hein. Et on va se mettre un peu de lumière. Eh ben j'ai une bonne idée. Très bonne idée. Du Mamadou et c'est tout. Allez, on se casse. 2010 n'est pas une excuse pour ces séquences à la con, oui. Non, je... Bon bah celle-là ne bougera pas. Alors comme ça c'est réglé. On va faire celle-là plutôt alors. Et on va mettre un peu de Mamadou. Comme ça on se souviendra. On est passé par là. Ah, du levier, on adore ça. On adore ça. On remplira la truc quand elle sera vide. Il dit qu'elle est pleine ou pas? Le baril contient quelques gouttes. Ah merde, seulement quelques gouttes. Bon, on les prendra après. Donc il y a du levier. Il y a du levier qui pour l'instant ne sert à rien. Donc je pense qu'il va falloir plutôt qu'on se réoriente vers l'autre salle. Oh, c'est dommage pour l'histoire. C'est trop bavard. Trop bavard. Allez, on remet du Mamadou aussi ici. En fait, c'est pas que c'est trop bavard, c'est qu'il y a trop de choses à lire. Et du coup, moi, j'ai pas envie de tout lire, quoi. À haute voix, je veux dire. Bon, là, on a besoin. Oh mon dieu. C'est petit à petit, on s'engouffre. Hein. C'est The Dark Descent. Porte bien son nom. Hein. Je mettrais bien un petit Mamadou, mais bon. On en a plus que 4. Pas utile celui-ci. Je regarde quand même ce qu'on a par terre. On a des caisses, des machins. C'est curieux qu'ils nous mettent autant de caisses. Ah voilà, bien fait. Du Mamadou, très bien. On a des caisses. Je regarde un petit peu en hauteur quand même. Bon, on continue notre périple. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, really. Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'Agrippa? Déjà, c'est pas le nom de... C'est pas le nom de quelqu'un, ça, personne s'appelle Agrippa. Là j'ai ouvert la... J'ouvre. Ah, il l'ouvre sur son pif. Pourquoi pas. Moi ce qui me fait peur c'est de tomber toujours en rade. Ah oui, il y a eu... là il y a eu travail sur quelqu'un. Oh là là là. Oh.
Il me demande de tirer le... Attends. Oui, je... à côté de moi. Oui, bah, j'ai bien vu que t'es à côté de toi. Oui, tu vas pas nous faire chier. On t'aidera si on sent que c'est utile. J'ai peur qu'il soit très méchant une fois qu'il soit libéré. Agrippa, ça fait marque de chaussures randonnées, spécial montagne. Et tu t'y connais. Hein? Ça ne peut être ouvert ici. Ouais, ça ne peut, mais ça va l'être. On va mettre du... On va éclairer un peu. Bon, ok, on va te libérer. Mais qui me parle? Ah, il est là-dedans? Daniel? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the... Oui, bien sûr. You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you said. J'ai pas compris. Attends, je finis de lire et... Qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est le son qui te parle. J'ai pas compris, je suis désolé. Attends, je vais te lire après. Bon, il y a trahison d'Alexandre. Seek out the pieces of the broken orb and mend away. I believe he uses them for torture. Faut qu'on répare une orbe. They practically leak magic, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Il y a vos 6 watts quoi. Alors qu'est-ce que tu me dis? Et ah bah si tu m'emmerdes. Bien sûr qu'on va te prendre avec nous, Agrippa. Bon ouais, tu voyais quand je vous dis que le jeu était bavard. C'est un petit jeu bavard. Alors une potion pour le libérer. Ah, ils s'appellent Cornelius, voilà un vrai nom. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds of so. En fait, ça fonctionne, les notes, les trucs comme ça, mais quand c'est juste des paroles, bon. Bon, qu'est-ce que tu m'as marqué que j'ai rien compris? Mais attends, je vois que je m'approche, il me parle, alors je me casse. Ça fait marque de chaussures, ça c'est bon. Et si tu subis un sacré moment, tu peux attendre 2 minutes, vieux saucisson? Ah, tu parlais du mec, ok, oh là là, oui, ça me paraît évident maintenant, excuse-moi, ok. Ok, j'ai compris, arrête de me parler, on viendra jamais de... On t'aidera jamais, hein, si tu... Bon, c'est par où on est arrivé, là, hein. Je regarde mon memento pour me voir dans l'ordre ce qu'on doit faire. Agrippa, l'homme mourant, donc il n'est pas mort, cherche une note écrite par un homme appelé Johann Weyer. Un orbe est nécessaire pour entrer dans le sanctuaire intérieur. Ces morceaux brisés sont éparpillés dans les chambres de torture. Une porte lourde bloque le chemin. Ok. Bon. Donc il va falloir que... Il faut qu'on cherche, quoi. Putain, le mec n'a pas parlé depuis 15 piges. Ouais, bah oui, il a beaucoup de choses à me raconter. Il est en forme. C'est ici qu'il aurait fallu mettre le baril d'huile. Alors, dans les salles de torture, on va trouver... Il y aurait 6 morceaux. J'ai trouvé de l'amadou. On peut allumer, mais bon, on s'en fout. Hein, on est d'accord. On va faire les pièces dans l'ordre. Putain, il y a un étage aussi. Mon dieu. Allez, viens là. Là, il n'y a rien du tout.
Il a dit qu'il fallait trouver 6 morceaux d'orbe du côté du cœur et du transept de l'église. Qu'est-ce que c'est le transept? Je connais pas. Enfin, merci de m'indiquer, mais je vois pas ce que c'est. En même temps, le du cœur de du côté du cœur et du transept de l'église. On va trouver, on va trouver. On a fini visage, on peut finir amnésia. Hein. On va trouver ce que c'est ce transept. Bon, on va monter à l'étage. Bon, c'est un petit pléonasme hein, parce qu'on monte toujours à l'étage. Le transept, c'est pas le couloir qui mène au cœur. Je sais pas. Non, non, non. Non, moi, j'ai fait que 2 ans de... Attends, j'en ai plus que 4. J'ai fait que 2 ans de catéchisme. J'ai pas tout appris. Ah, mon Dieu. Bon, bah, là, on est bien, par contre. Allez, on respire un petit coup. On est bien, on est bien. J'aimerais bien... Voilà, ça, c'est parfait. Non, non, mais je sais même pas, c'est la première fois que je lis ce truc-là. Oh, fais attention à ce... I know this. Ah, non, sur les deux petites pièces sur les côtés. D'accord. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. It's a cut volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Ok, bon, en tout cas, il nous dit de retourner à la salle de torture. La salle de torture, c'est là où nous étions tout à l'heure. Ah, là, j'ai trouvé un jambonneau. J'ai ramassé de la viande. Qu'est-ce qu'elle me dit, la viande? Un pavé de viande fraîche. Quand tu dis les deux petites pièces, c'est les 4 petites pièces, c'est ça? Transept? C'est une sorte de prison comme ça? C'est ça que tu voulais dire? Parce que ça m'intéresse le vocabulaire. Bon alors je... Hein? Là on peut aller à l'étage. Non mais on en vient. I do take pride in Zapata. Is it so wrong? Non, je pense qu'il faut que tu trouves une église. Quand tu dis une église, tu veux dire église? Non, parce que sinon je vais devenir fou, hein. Ah oui, une église. Ici, ça ressemble à une prison plutôt. Do you know Mithraeus? I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The dark walls. Mais qui parle pour rien dire, lui là? Et toi, tu dis rien. Eh, il me fait du mal. Eh ben, attends, je risque pas de te sauver, hein. Bon, allez, on retourne à la salle de torture. C'est la salle de torture hein, qui va être notre salut. Allez, n'aie pas peur. Oh, il y a... Mais on est déjà venu ici? Laboratorium. Évidemment, ça ne bougera pas. Non, non, j'étais pas monté. Mais si, j'étais monté, mais j'avais pas fait attention. Bon, ça sera peut-être notre prochaine destination. Bon, allez, on remonte. J'ai peur d'utiliser trop de... Allez. J'ai peur d'utiliser trop d'huile. Eh, ça y est, j'ai plus d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a un chemin qu'on n'a pas fait. Hein. Ah bah non, on l'a pas fait pour cause. C'était bloqué. Là, c'est les cailloux, donc c'est l'autre. C'est par ici. On retourne à la salle de torture. Tout simplement. Là, ça fait longtemps. Fait toujours plaisir. On se reprend un peu d'huile. Alors ça par contre,
Ça, c'est pareil. Hein. Ça ne marche pas. Quelque chose ne doit pas aller avec le mécanisme. D'accord. C'est mécanisme de quoi? Cette salle de torture. Alors, c'est pas cette pièce-là. Celle d'en face. Non. C'est les cailloux. Là, c'est d'où on vient. Ah ben non, en fait, il veut pas qu'on retourne sur nos pas. Mais on peut pas retourner dans la salle de torture? Ah non, c'était avec l'échelle. L'échelle s'est cassée pendant la montée. Drôlement pratique. Il n'est pas possible de redescendre dessous. Après, oui, dans ce délire, je n'ai pas vu d'église de près ou de loin. Donc, peut-être qu'une des portes de la chambre, pièce où se trouve Agrippa, mène à une église. Ouais. C'est possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà dans l'ordre ce qu'on a à faire. Deux leviers au dernier étage ne fonctionnent pas. Il s'agit probablement d'un problème avec les mécanismes. Donc, il faut déjà qu'on fasse dans cet ordre-là. Agrippa, l'homme mourant, cherche une note écrite par un homme appelé Johann Weyer. Alors, il y a une note à trouver. Les orbes, c'est après. Hein. Un orbe est nécessaire pour entrer dans le sanctuaire intérieur. Ces morceaux brisés sont éparpillés dans la chambre de torture, dans les chambres de torture. Les chambres de torture, c'est les petites pièces où on a été. Bon, nous sommes allés, on a rien trouvé. Oh, ce jeu est bien mystérieux. Je regarde, hein. Ils sont dans les chambres de torture, oui. Mais qu'est-ce que t'appelles les chambres de torture? Enfin là, ça ressemblait plus à des prisons. Pourtant, il parle de cœur et de transept, cet imbécile. Bah, pff, des fois, il y a des moments, je me demande si c'est... Non, mais la traduction, ça ne marche pas. Quelque chose ne doit pas aller avec les mécanismes. Je suis pas certain de la traduction à des moments. Hein. Pas envie de dire, j'ai pas envie d'être méchant. J'ai une confiance tout à fait relative avec le, avec la traduction. Non, bon, on y, de toute façon, on n'a pas le choix là. Il y a rien. On retourne là. On va essayer de pas aller trop vite pour bien regarder. On va se remettre de l'huile. Mais vous avez vu l'huile à la vitesse où ça file. Le seul élément qu'on a, c'est qu'on a un pavé de viande fraîche. Alors, je sais pas ce qu'on... Il faut qu'on trouve une lettre. Retourne voir le sauciflard, oui. Non, mais moi j'ai du Lundanum, il faut que je l'utilise. Hein. Bon, peut-être pas tout le temps, mais voilà, genre là. Là, on en remet un là. Là, on a nos 13. Moi je le sens bien qu'il y aurait, peut-être une petite note hein, quelque part ici. Hein. Il y a tellement un merdier. C'est tellement le merdier ici. Regardez là dans le coffre par exemple. Pas le coffre, non. Il n'y a rien. Merdier ici, hein. Merdier, merdier. Regarde-moi ça, comment les gens... Les gens font attention à que dalle. Regarde-moi ça, c'est le merdier. Bon, j'éteins ma petite lampe. On peut aller à gauche. Et là, bon, bien sûr, hein, c'est fermé. Hein. Balance-lui le bout de bidoche dans la gueule, on se siffle là. Ouais, on va tout tenter, t'as raison. On va tout tenter. On va faire ça. Une très très bonne idée. Non, puis on va allumer plus souvent. On n'utilise pas assez notre inventaire. How are things coming? Vatlava? Or Zatlava? Ah. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Il y a des morceaux de la machine cachés dans cet endroit. Not many orbs are left. They sometimes consume themselves. Ah, y a une trappe ici. Eh oh là là, qu'est-ce que j'ai eu une bonne idée de regarder. Comment je monte? Laissez-moi monter, madame. Attendez, attendez.
On va prendre un petit truc. J'ai trouvé quelque chose. Gifle-le. Et d'ailleurs, j'ai oublié ton idée de lui donner à manger. On pourrait essayer. Tu dois avoir faim. Agrippa n'a pas besoin de ça, mais s'il a besoin. Moi je serais attaché là, j'aurais besoin. Hein. Par contre, c'est très agaçant le fait qu'il parle tout le temps là. C'est un peu comme moi. Hein, vous trouvez pas? Il parle tout le temps. Bon, excusez-moi, j'ai besoin de fumer là. On peut prendre la chaise? Voilà, on va monter sur une chaise. Ça me paraît. Ah voilà! J'ai remis le mécanisme. C'est bon, hein, c'est une affaire qui tourne là. Donc ça va ouvrir les portes. Pas du tout. Faut pas qu'on retourne quand même. Je vais remettre un coup de... Va faire ton switch, Sauciflare 14. Va faire ton switch. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on retourne au levier maintenant? Hein, moi. Parce que là, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Hein, je regarde bien. Ah non, c'est ça. On a remis en route le truc. Je retourne au levier. C'est pas loin. Enfin, c'est pas loin. C'est relatif, hein. Tout est relatif. À des moments, il y a un petit temps de chargement. Ça fait toujours bien plaisir. Ça doit être ça parce qu'il parle maintenant. Maybe she knows. Allez, ça doit être ici. Allez, on tente. C'est bon, ça fait quelque chose. Ça doit ouvrir les deux portes. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a la petite musique de félicitations. Oh pardon. J'avais pas ma voix des grands soirs. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut me faire, moi? I'm sorry, my friend. Mais dis donc. Alexander, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors qu'est-ce que ça a fait là? Les allers-retours, les allers-retours. Ah, c'est bien pratique, hein, de faire des jeux vidéo avec des allers-retours. Évidemment que je pouvais le faire. Ah, c'est bon, maintenant il parle plus. Maintenant que j'étais prêt à l'écouter. Bon, on prend celle de quoi? On prend celle de gauche en premier. Est-ce que... Ouais, on a un petit peu de... Allez, on y va. Regardez-moi ça, comment je sais bien faire maintenant. Cette envolée lyrique. Qu'est-ce qu'on a ram... C'est dans l'autre sens qu'il fallait le faire. Jésus, je suis con à ce point. Déjà, je pouvais me décaler, ça serait peut-être mieux. On verrait ce qu'on fait. Ah, faut mettre le jambonneau. Faut mettre le jambonneau ici, évidemment. On va pêcher quelque chose. Vous êtes prêts? Voilà. Et maintenant, on le remonte. Quelque chose tire la corde. Ah, j'ai cru tomber dedans. Ok, maintenant, on le remonte.
Ah, il m'a laissé close. Ah oui, mais moi je veux pas tomber, hein, please. Reste ramassé. Ok, c'est une affaire qui roule. On a réussi à faire ça. Là, je regarde quand même ce qu'il y a à faire par ici. Ah merde, on va au transept. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'aller directement autre part. Je pense qu'il faut déjà qu'on termine ce qu'on est en train de faire, non? Ouais, je retourne en arrière, à la nef. Ouais. Mais les orbes, c'est à la fin, t'as vu, dans la liste des choses à faire, c'est tout à la fin. Je préfère pas qu'on se perde. Parce que ça m'a l'air d'être grand encore, aussi. Merde, c'était mon dernier loot d'Anum. On va aller plutôt à l'autre porte. Ouais, on lui dira, on lui enverra un message sur son répondeur. J'ai envie de bien finir tout. Parce qu'il voulait une lettre d'un certain Weber. Ça doit pas être, c'est pas ça? Voilà, Agrippa guide Weber. Voilà. On a trouvé la lettre, on va lui filer. Je regarde quand même ce qu'il y a. Ah merde, là on va au cœur. On va déjà lui filer la lettre et puis après on va au cœur, ok? Allez. On fait dans l'ordre. On va essayer de pas se perdre. C'est un jeu, on peut facilement... on peut facilement se tromper. Hein. Vous avez vu. Hein. Vous avez vu. Hein. Moi j'ai envie de faire les choses dans l'ordre. Voilà, on éteint ça. J'ai trouvé ta lettre. Oui, c'est exactement ça. Une porte vers notre monde. Bah, dis donc, ça dépasse tout alors. Find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save it. Ça m'a l'air d'être un petit peu chiatique tout ça, non? Dis donc. Non, moi ce que je veux c'est de donner la lettre. Allez, prends tes restes. Agrippa ne veut pas préparer le tonique lui-même. Allez. Il faut qu'on prépare nous-mêmes. Regardez. Agrippa, l'homme mourant, veut un tonique spécifique conçu pour le sauver. Une note parle d'un mélange fait avec 3 ingrédients. Bon, on en a un des ingrédients, on a des restes. Ok, allez, on se casse. Donc, on commence par le transept ou par le cœur? Moi, je suis d'avis qu'on commence par celui de gauche. Hein. On était parti par là au début. Hein, on va rester sur notre lancée, pardon. Allez, on va au transept. C'est ça, le fameux transept où tu trouveras les orbes. Tout fait sens maintenant. Ah, c'est très joli. C'est très sombre, mais c'est très joli. Qu'est-ce qu'on entend? How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Oberyn! Kill me! This one, prepare him. Il avait l'air drôlement méchant, Alexandre, en fait, hein. Pas l'air comme ça, mais c'était un petit coquin. Hein. Un petit peu de mouche, ça fait pas de mal. On pourrait prendre l'escalier, évidemment. Mais bon, moi, je suis d'avis de faire dans l'ordre, hein. On n'a plus de Mamadou. Hein. On n'a plus de Mamadou. En tout cas, on a bien progressé. Hein. Là, en une session, ça tourne. Hein. Bon, on a trouvé un petit dessin d'un artiste. Qui a de l'imagination. Qu'est-ce qu'on peut prendre là?
Le violeur était pendu la tête en bas, ses larmes étaient tachées de sang qui jaillissait de ses entrailles. La scie entre ses jambes s'était logée dans la hanche, elle ne pouvait plus bouger. Les hommes ont reculé et attendu que la victime se vide de son sang. Bravo. Ah, vous êtes fiers de vous? Ils disent qu'il y a des morceaux dans la... Voilà. Ramasser morceaux d'orbe. Bon, très bien, il y en a 6, hein, putain. On n'est pas prêt. Bon, on en a un, là. On en a trouvé un. J'ai peur qu'on ait pas assez d'huile, hein. C'est ça qui me fout les jetons. Allez, on en a trouvé un. On va en trouver certainement un autre ici. J'ai utilisé comme un con tous mes mamadou pour pas grand chose. Là, on s'en fiche. Par contre, on peut s'abaisser pour en trouver un nouveau mamadou. Ça, c'est pas mal. Là, c'est un autre supplice. Hein. Là, il y a un petit tabouret. La ravisseuse s'était assise sur ses genoux avec les mains attachées derrière son dos. Elle a senti qu'on lui soulevait ses mains et son corps a suivi. Ses épaules ont lâché et bruyamment craqué face au poids de son propre corps. La femme suspendue criait hystériquement alors que les hommes méditaient quant à la prochaine étape. Ah bah chacun avait son petit passe-temps à l'époque, hein. Son petit hobby. Alors ça, moi je veux bien l'utiliser, mais ça va faire quoi? Là on a de la chaînette. On a de l'armoire. Et bah voilà, c'est ça qui nous intéresse. Regardez-moi ça. On a un morceau d'orbe. Et là, si je tourne la manivelle... Ah bah oui, ça te fait plaisir. Pourquoi j'ai fait ça si c'est pour me foutre dans... pour me faire du mal? Ouais, maintenant il a très peur. Ça m'a servi à quoi? Cette belle inquisition, hein? Hein, on dit toujours la France, vous avez fait que des saloperies. Bah, oh, l'inquisition, hein? C'était pas idiot non plus. Bon, là, ça va pas, hein, je me suis fait du mal tout seul. Il faut que je me reprenne un truc pour ma santé mentale. Regardez, on va se prendre de ça. Une orthèse médicale destinée à améliorer l'état de santé et à faciliter la guérison des blessures. Non, ça ne va pas. Nous, il nous faut quelque chose pour notre santé mentale. Ah bah oui, l'équipementable, on a 3 petits points. Donc ça va pas du tout. J'ai envie de voir combien de morceaux il nous faut. Lui, il l'a dit oralement qu'il en fallait 6, mais... Là, mon personnage, j'ai du mal à le contrôler. Hein. Il tourne difficilement. Il a très peur. Ok. Donc, on est arrivé de par où? Je ne sais plus. On va faire cette porte-là. Il faut qu'on résolve une énigme pour qu'il se sente mieux. Ou qu'on ramasse un objet clé. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? J'ai plus de lampe. Oh putain, mais on va pas jouer dans le noir. His lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. Oh, c'est chaud ça. We are dealing with monsters here. Ah ouais, là ça va pas. Hein. On peut pas allumer quelque part? Ah si. Non, c'est du mamadou. C'est chaud quand même ça. Hein. Attendez, on peut allumer ici. Allez, voilà. Bon, il a pas l'air de se sentir mieux. Hein. Ah, mais j'aurais dû allumer ici, que je suis idiot. On aurait dû monter là-dessus. Comme... Comme ceci, bien sûr. Et on aurait pu allumer. Mais elle est déjà allumée. Bon, ça va un peu mieux. Le fait de rester près de la bougie. Cette belle inquisition, je ne pense pas rester jusqu'au bout du stream. Le petit brodequin.
Bah oui, je sais bien, le jeu est vieillot, mais je comprends. Le pyromane n'arrêtait pas de pleurer alors qu'il le faisait monter et descendre sur le pieu. Il n'a pas fallu bien longtemps pour le détruire. Ils avaient présupposé qu'il allait mourir, mais la torture fonctionnait au-delà de leurs espérances. Ce n'était pas la méthode, c'était le pyromane. Il était différent des autres, il pouvait lui faire oublier à nouveau. Mais dès demain, je vais trouver autre chose. Quelque chose de très sympathique. Je vais trouver un jeu où ce sera un vrai bonheur. Là, le jeu a un petit peu vieilli. Un petit peu vieilli, hein, quand même. Tu comptes rester combien de temps encore, Nyctaras, pour que je me rende compte? Là, on n'a pas de morceau de... Là, on n'a pas de morceau de d'orbe. Là, je pensais partir sous peu, c'est-à-dire... Oh mon dieu, je me sens très très mal. Lui, il était pas là tout à l'heure. Parce que moi, je peux faire une petite VOD, hein. Dans 5 minutes, voilà, parfait. On monte à l'étage, puis on va se laisser là. Monte à l'étage. Et il a même du mal à monter l'escalier maintenant. Ça va devenir compliqué. Mon dieu, j'ai de la vermine sur la tronche. Non, dès demain, je vais trouver un truc très bien. J'ai regardé The Forest, mais je connais The Forest. Mais c'est un jeu qui doit se jouer en ligne, hein, principalement. Hein. Tout seul, c'est pas rigolo. J'ai regardé ce que tu m'as conseillé. Mais tout seul, j'ai regardé plusieurs gens y jouer. Mais je suis pas sûr que ce soit très bon tout seul. C'est surtout un jeu à faire online avec des potes. Non? Tu crois pas? Ok, j'ai ramassé du mamadou. Bon, on a à nouveau une corde. Tout à fait raison pour The Forest, oui, hein. Tu penses aussi que... Bon, quand même fouillé. Je trouve qu'au niveau huile, ils sont quand même drôlement radins. Autant sur le mamadou, des fois on en a trop. Ouais, mais la torture, on n'a pas besoin de lire, on connaît, hein. Bon, vite fait ce truc là. Pour Land of Pain, je ne pense pas que ce soit le bon jeu pour streamer. Ah ouais, d'accord. Trop court et assez simpliste. Ouais, tu m'avais dit déjà sur Insta. Quand c'est trop simple, après, bon, il n'y a pas d'enjeu. Allez, bon, ça, on va pas le lire. Ah ben, et ben voilà, on a ramassé de l'huile. Ben on va se laisser ici. Peut-être de temps en temps, quand on saura pas quoi faire, on retournera sur Amnesia. On va se laisser ici, hein, mon bon Nyctaras. Et puis dès demain, je vais nous trouver un truc très bien. Il y a plein de jeux. Aujourd'hui, j'y ai réfléchi quand même grandement. Puis, je vais pas te mentir, je retourne en main cam. J'avais envie de continuer Amnesia, voilà. Et puis finalement, je vais trouver autre chose. Le jeu fil rouge, oui, voilà. J'ai essayé de trouver un truc. Alors, normalement, je devrais mettre comme ça. La caméra est un petit peu trop haute, mais bon, c'est pas grave. Donc, je te dis à bientôt. Moi, je stream demain, dans tous les cas. Et je vais essayer de trouver un truc très sympathique et qui soit aussi bien que... Bah, en plus, hier, on a été habitué, il faut dire, à Little Nightmares. Et c'était très sympa, quoi. Donc, je vais essayer de trouver un jeu tout aussi sympathique à streamer. En tout cas, c'était la partie 5, hein, quand même, d'Amnesia. Ça marche, j'irai de passer demain soir. Bah, c'est très gentil à toi. Je vous souhaite tous une excellente nuit. Et puis, je vous embrasse. Et puis, tenez bon, je sais que... Hein, nous le savons tous, les temps sont difficiles. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Tchuss. We'll be right back.